This is Bob Barbas of the Raptor News Network. Doing God's work. This is the order. The war is not over. It has only just begun. Salut les gars, c'est Drake, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout nouveau let's play DMC Devil May Cry Definitive Edition sur Xbox One. Le jeu est sorti hier pour vous normalement. Si la vidéo sort mercredi, donc le jeu est sorti mardi, voilà. J'ai réussi à l'avoir lundi mais j'ai pas eu le temps d'y jouer parce que j'avais pas mal de devoirs et tout ça, bref. Donc du coup on va pouvoir lancer. Alors faut savoir que ce jeu je l'ai vraiment séché sur 3.6 vu qu'il y avait la version, enfin Devil May Cry en sortie en 2013 il me semble. Ah oui, c'est que maintenant il y a tous les DLC, putain. Donc ouais, donc sur ce nouveau jeu il y a donc tous les DLC. Il est en 1080p 60fps. Alors je suis pas sûr de pouvoir les mettre pour la vidéo les 60fps, je suis désolé parce que mon PC sinon il va pas tenir le coup. Mais en tout cas pour moi je les aurai. Ensuite, donc la 1080p, ça c'est sûr. Donc il y a tous les DLC et des nouveaux modes de jeu. Donc on va faire Devil May Cry. Hein. Je suis de Virgile, on fera ça un autre jour. Hein. Pas très grave. Oui, synchronisation, sauvegarde. Nouvelle partie. Donc oui, comment ça va se dérouler, donc le let's play. Il y a, il me semble, une dizaine de missions. Il me semble quasiment 20, ouais, 20. Et je pense faire 2 vidéos par mission. Voilà, pour pas faire parce qu'une mission ça peut durer peut-être une heure, pour pas faire un épisode trop long, donc environ une demi-heure l'épisode, voilà. Ensuite ah attends, les skins d'abord. Ah ouais, le Dante classique, Dante obscur, Neo Dante. Ouh, c'est vrai qu'ils ont la classe hein. Ils ont vraiment la classe. Celui de le Dante normal, celui du 3 là, la tenue est vraiment classe, mais on va garder normal. Ensuite pour le niveau, j'ai pas envie que ce soit trop dur parce que c'est un jeu quand même qui est vraiment dur de base. Donc on va se mettre juste les ennemis sont faibles, ok, peu de dégâts. En chasseur de démons, je pense que c'est le mode normal. Tech normal, ouais. Nephilim. Ensuite après il y a d'autres modes, enfin il y a le niveau après chasseur de démons, enfin pas chasseur de démons mais démon. Et à la fin je sais plus ce que c'est, mais en fait c'est vraiment très dur. En un seul coup tu meurs et t'as fini le jeu en fait. Donc voilà, donc c'est plutôt dur. Donc on va se mettre tout simplement en chasseur de démons. C'est vous qui avez le message destiné, ça paraissait encore du jeu, vous pourrez modifier ce réglage plus tard. Oui, pour le moment. Donc je vais pas trop vous spoiler au niveau de l'histoire si vous l'avez pas encore fait le jeu, vous inquiétez pas. Donc là on voit le collier de Dent. Virgile, son frère jumeau, a eu le même mais en bleu de sa mère. Donc en fait, l'histoire de ce tout nouveau DMC change totalement par rapport aux anciens, pour vous dire. Les anciens DMC, Dent c'était un mi-humain, mi-démon, et que maintenant c'est un mi-ange, mi-démon. Donc c'est, voilà, ils ont changé ça, donc du coup ça lui offre des pouvoirs ange et démon en même temps.
Oui, à la fermeture vendredi. Non, vous n'aurez aucun délai. Vous connaissez les conditions et les conséquences. Non, ce n'est pas une menace voilée. Elle est directe. Si vous ne respectez pas l'accord, vous porterez la responsabilité de l'effondrement de l'économie. Vous serez évincé du pouvoir, humilié et haï. C'est assez direct ? Bien. Vendredi, donc. Bonne nuit, monsieur le président. Alors ? Combien, mon tendre et cruel ? Plus d'un billion. Oh. Je posséderai bientôt tout ce qui a la moindre valeur. Je vais dominer le monde par la dette. Je détiens un pouvoir absolu. Ça y est, le monde est enfin terminé. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème. Un problème ? Lequel ? Le fils du traître Sparda, Dante. Lui ? Il est toujours là. Les limiers le retrouveront. Ils ont bien eu Sparda et sa catin. Tu le tueras ? Oui. Je lui arracherai le cœur de la poitrine avec mes propres mains, et je l'avalerai devant ses yeux. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'Ordre, une organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. Abattre discrètement ce fils de pute. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Dante ! Vite, sors de là ! T'es en danger ! Qu'est-ce que tu veux ? On se connaît. T'as été négligent. T'as laissé une trace.
et il en a après toi. Quoi ? Qui en a après moi ? Il s'agit d'un limier. Il est là. Tu vas être obligé de l'affronter. Bon, ça y est les gars, on est directement dans le jeu. Alors, pour les combos, ok, de Usher, ok. Ne vous inquiétez pas, je connais quand même un peu les touches. Oh putain, mais ça sont tellement... C'est tellement plus rapide, c'est génial. Alors, pour les, au niveau des combos, pour le moment, on a que l'épée Rébellion, c'est l'épée de base qu'il a. Après, on aura beaucoup d'autres armes, enfin, on aura d'autres armes. On aura deux armes de démon et deux armes angéliques. Maté pour lancer. Ok. Ça a foiré, pas grave. Vous voyez, donc niveau des combos là, c'est vraiment très varié, très divers. Hop. Putain, j'ai pas réussi. Ça passe. Pour le moment, on peut pas faire. Oui, esquive, d'accord, ok. Hop, ok, ça marche. Pour le moment, donc je disais, on peut pas faire un peu des dashs. C'est que avec l'arme angélique. Ok. Ah, si on peut faire un petit peu ou pas? Non, pas vraiment. Donc après, niveau des combos. Ah putain, enfin. Arbre rouge. Au niveau des combos, après, on peut en acheter, hein, pour vous dire. Donc il n'y a pas que ça, mais. Wow, putain, c'est la classe. Qui a dit ça? Là, le début, c'est déjà en surkiff. Hein. Putain, bordel de merde. Il était déjà beau avant, mais alors là... Mon dieu, mon dieu. Alors, ouais... Pas encore, ouais. Non, on peut pas... Non, c'est après. C'est à la fin de chaque niveau qu'on peut acheter des attaques. Il se passe quoi, genre? Ah oui, je m'en souviens, putain. Comment ils sont arrivés là-bas aussi ces flingues, c'est n'importe quoi. Bon, vous aurez remarqué que ce jeu, c'est quand même un jeu 18+, donc que ce soit pour le langage, c'est un peu... C'est pas vraiment pornographique, mais on va dire, voilà, il y a des trucs voilà, qui sont pas trop adaptés pour des jeunes, on va dire. Moi, je m'en fous, mais après, c'est selon vous. Hop. Ebony, Ivory, vous m'avez manqué. De quoi m'entraîner? Timing parfait. Alors Ebony et Ivory, donc c'est deux pistolets mais qui tirent. Ils sont très rapides pour tirer, mais ils ont des balles infinies, ça c'est cool. Ils sont pas vraiment très puissants. Mais ça permet d'aligner facilement, oula, facilement des adversaires. Après on aura encore deux autres flingues il me semble. Oulala. Suivez où je sais. Ça ne peut pas encore.
ce sera beaucoup mieux dès qu'on aura toutes les armes. Là, ça va être vraiment cool, on va pouvoir varier les combos. Déjà là on peut faire un... on peut varier un petit peu avec les flingues et puis ça. Après est-ce qu'on peut faire? Non on peut pas. Ouais. Ah c'est ça, ok. Ça c'est pour locker les adversaires, ok. Je me doutais bien que c'était comme ça. C'est en... maintenant pour ceux qui sont sur Xbox One, c'est sur RB pour locker les adversaires, donc ça c'est cool. Comme ça. Un petit sauvage. Ça c'est cool. C'est bon, c'est tout. Ok bah parfait. Alors là ce qu'il faut faire c'est un petit peu fouiller on va dire à chaque fois. Et en fait il y a moyen de récupérer des petites boules rouges. Qui sont là, on peut pas en récupérer. Alors, par exemple voilà, voilà les petites boules rouges, en fait ça c'est on va dire la monnaie. C'est ce qui va nous permettre d'acheter les combos puis voilà, les armes. Je suis dans le monde réel et toi dans les limbes. Comment ça se fait que je te vois? Je suis une médium, une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer avec toi. Même si tu me vois, je suis pas vraiment dans les limbes avec toi. Et si j'appuie sur la détente? Je meurs. Là, je risque ma vie pour toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Le minimum t'a amené dans les limbes. Je peux t'en faire sortir. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. N'essaie pas d'affronter le minimum. Il n'a rien dans ce démon. Suis-moi. Vite. Mais c'est rien, c'est un petit démon de rien du tout, ça. Des petites araignées, voilà. Donc comme je disais, donc ouais, faut tout en récupérer les petites boules rouges, ça va nous permettre d'acheter des combos et des armes. Voilà. Ah ouais, surtout eux. Des âmes perdues. Au moins là, ça, ça va donner du fric. Normalement. Ouais, nickel. On a déjà 179. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Alors, nouvelles clés. Ah oui, les clés. Les clés, ça nous permet en fait d'ouvrir des portes secrètes. Il y a un peu des niveaux cachés dans chaque niveau. Et on peut récupérer à chaque fois un bonus ou quelque chose comme ça. Mais il faut des clés pour pouvoir y rentrer. Voilà, ça va être la merde. Ah, j'ai pas réussi. Lui. Merde. J'ai pas réussi, allez. Essaye. Voilà. Allez, 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 allez. Donc aussi, durant le jeu, il y aura différents ennemis. Donc là, ils sont assez basiques comme ennemis. Des petits démons de rien du tout. Mais après, il y aura des démons, soit angélique, soit démoniaque. Donc en fait, il faudra mélanger les combos pour pouvoir les tuer, sinon ça leur fera rien du tout. Hop. Putain, le lock, c'est vraiment pratique. Hein. Amélioration reçue. Voilà, ok. Super. Ça marche, j'ai compris. Merci. C'est ce que ça passe d'ici, du coup, en fait. Putain, je suis trop con, putain. Ouais, c'est ça. Alors, ok, est-ce que pour le moment on a que ça, rébellion, ok. Donc pour le moment on a pas beaucoup de trucs, hein. C'est pas grave, c'est le début du jeu. Alors, par où on va? Par là. Donc l'univers, en tout cas moi j'adore, honnêtement, l'univers un peu démon, enfin là on est dans les limbes, putain. C'est vraiment cool. Ça fait une sensation bizarre en fait par rapport aux anciens DMC, c'est vraiment nouveau ça en fait. Le fait de partir dans les limbes comme ça. Hop, le vaisseau. Une arme dorée. Aussi, on peut aussi acheter des points de vie parce que des fois dans les combats qui sont vraiment durs, on a besoin de vie. Ah bah tiens. Parfait. Donc c'est ici qu'on achète normalement les combos et la vie, il me semble. Voilà, amélioration. Voilà. Donc on a tout ça à améliorer. Pour le moment on peut améliorer que celui-là. Donc en l'air, près d'animer, cette ennemi, ok. C'est une capacité aérienne comme le double saut et ce qui va. Ok. On prend ça. Puis ça ira bien. Pour le moment on a qu'un seul point. Ah, oh, un petit succès. Le hacker 2.
Pour le moment, en tout cas, moi, ce que j'avais vachement amélioré, c'était mon arme en Gix. C'est une faux qu'on va avoir qui est vraiment rapide. En tout cas, ça, j'ai vachement amélioré. Ça, j'ai un petit peu amélioré, mais vite fait. Ça. Bah, ça va bien comme ça, voilà. Tout simplement. Il est arrivé là. Mortel. Flash Info, nous sommes en direct de notre hélicoptère. Steve, je n'en crois pas mes yeux. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Bon, apparemment, tout ce qui se passe dans les limbes, ça réagit aussi dans le monde humain. Bon, salut les gars, ça va ? Hop. Putain, c'est trop chiant qu'on peut pas encore faire des dash. C'est tellement pratique. Hop. Ça fait rien en fait, les balles. Voilà. Là on est en mode S, là c'est cool. Là on commence à faire du point. Aïe. Bon, amène-toi gamin. Non, t'as pas envie. Donc faut savoir que sur lui les balles ça lui fait rien du tout. Donc faut vraiment faire des attaques rapprochées. Putain. Oh pas ça. Oh putain, j'en suis un. Oh sa putain de main à la con. C'est rien du tout. Là il faut que je fasse quoi? Faut que j'aille là? Ouais, il faut que j'aille là. Okay. Bon, c'est vrai que c'est le premier boss, mais il est quand même chaud à battre. Alors là, n'ayez pas peur, c'est chelou. Hein. Dégage. Ça c'est fait. Oula. Putain de main. On voit rien, ok. T'as les yeux, putain. Alors. Vous voyez, là, c'est ce genre de porte qu'il faut pour faire le niveau caché. On va pas le faire maintenant. Peut-être que je fais un épisode spécial où je fais toutes les... Oula. Ouh, le bâtard. Ça c'est fait. Ok, bah du coup on avance. Hein. Oh. Des araignées, des gens pendus, y'a que ça. Je fouille, hein, je fouille. Hein. Fouillons par là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ok. Il y a aussi des portes à ouvrir seulement avec des pouvoirs démoniaques ou angéliques. Ça, c'est une porte démoniaque, donc je peux pas encore l'ouvrir maintenant. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on peut retourner dans les anciens niveaux. Ah, bonjour madame. On pourra retourner dans les anciens niveaux avec les nouvelles capacités. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et... Salut. Ça, ça fait du point. Alors, on est déjà à 400, ça c'est cool. Là, y'a rien, cul de sec. Bon, bah, digo. Hein. Est-ce que c'est par là? Ça doit être par là. Voilà, là, ça va être chaud. La sortie, bien. Attends, je m'attendais à des trucs sur les côtés. Normalement, y'a des trucs qui sortent sur les côtés. Et qui me bloquent le passage, normalement. Voilà. Pas bon. Ouais, c'est ça. Mec, s'en balait. Ça va bouger normalement. Ah non, même pas. Aïe. Ça, normalement, ça bouge. Ça, les trucs de là devant, normalement, ça. Je me suis fait tuer par ça un jour. Ouais, ça bouge. J'ai pas confiance.
Venez-y. Bon, tant pis, on y va comme ça. Allez, c'est bon. Putain, je suis où là? Ok. Putain. Rien. Ouais, c'est ça, ok. Vas-y. Petite esquive. Donc après, on pourra faire des dashs, donc ça sera beaucoup plus pratique pour esquiver et pour accélérer. Aïe. Ouais, là, c'est tombé. Et voilà, ça se gère. Jamais de la vie. Merci Capcom, hein. Ça c'était vraiment une petite allusion aux anciens DMC où Dent il avait les cheveux blancs. Il craint pas les balles. Il y a une faille plus loin. Eh ben on y va. Quoi? Elle va travailler dans le monde réel. On reviendra pour le milieu. Moi j'ai voulu le tuer maintenant. Hein. Des gens qui courent. Ouah, c'est vraiment la merde les limbes en fait. Mais bordel que c'est beau. Enfin c'est un peu démoniaque à mon goût mais. Ah d'accord. Bon on va te faire un V1. Comment elle a fait ça? Un limier ou un limieur, je sais pas. Limier, ouais. Moi aussi. Ça c'est bien vrai. Bon, ça c'est fait. Rien du tout. Ok. Ouais. Putain, faut que j'esquive à chaque fois, putain. Aïe. Putain, il fait vraiment mal. Hein. En plus, il est rapide ce con. C'était pas beau hein. Esquive. Je sais qu'il faut viser la tête, mais moi c'est que je pourrais pas esquiver si je vise sa tête. Aïe. C'est bon. C'est vraiment rien si ça fait un petit peu des dégâts. Aïe. Putain. Tiens. Et là on le mitraille, allez. Prends ça. Tu le sens, là, on l'enchaîne, allez. Vas-y là. Allez. Là je mitraille le bouton là. Je peux rien faire. J'ai déjà mis de live. Allez. What? Ah ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. Ça c'est chaud à esquiver hein. Oh, putain ouais. Ouais t'es fier, t'es content. Aïe. Esquive. Putain mais. Il fait vraiment mal ce con. Il n'a pas eu là. Là non plus. Là non plus. Allez mets toi. Limite on se joue avec les balles hein. Pas grave hein. Non quand même pas. Putain ta gueule, allez. Un petit B, oui. Brutal, allez. Un petit anarchique. Un petit S on peut. Non on peut plus. Ok. Il est bientôt mort. Il est mort. Fini. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère?
Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Ma mère. Je me souviens à peine d'elle. Ça va, Dante ? Comment tu connais mon nom ? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non ? Ouais, mais je t'avais rien demandé. S'appelle l'Ordre. Tu connais ? Un rapport avec le taré masqué d'Internet ? C'est mon boss. Génial. J'ai hâte. Nous recevons à l'instant ce qu'on parle de la vraie d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. Mission 1 terminée. Alors, on a quoi comme score? Bon, on a un D. Putain, un D en... Non. Que des D, sérieux? Un B x 4. Ok, ouais. Pas terrible, ouais, j'ai déjà fait mieux. Donc on a deux points à améliorer.